De là où la rose du vent de sud est un temps qui se dégrade en ce début de matinée sur la Canon, rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui devient très couvert avec de la pluie. Maintenant, la température extérieure est à 19-20, la température de l'eau est à 18-19. Cet après-midi, un temps couvert a plus une température à 20 degrés. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 13h35 avec des coefficients de 80. Et sur cette marée qui est en train de descendre, on a le vent qui est au sud. Alors là, au début, il s'était calmé, mais sous la pluie, il s'est relevé, il est modéré, il y a sud, de Beaufort établi, des rafales à 3. Le plan d'eau est ridé, à Clapeau, les phases de vagues sont ridées, là où l'étale multipique et moyenne à longue, avec 9 secondes de période, orientée ouest à ouest-sud-ouest, c'est une houle qui est à la hausse, c'est déjà plus consistant que ce matin, donné sur la bouée, qu'en début de journée, donné sur la bouée Arcachon-Gascogne à 1,90 et 6 secondes, ce qui se retranscrit en termes de taille de vague à 50-80 cm en déferlement régulier, 1 mètre aux séries. La barre est facile à franchir, les vagues sont pas sélectives, elles sont pratiquables pour tout le monde sur un plan d'eau un peu agité. Les vagues sont un peu en amélioration parce que ça a pris un peu de consistance. Il y a un peu plus de fréquence, il y a un peu plus de vagues à surfer. Même si ça reste multipique, agité, pas génial, ça vaut bien moins que la moyenne. Mais on peut dire que c'est un peu mieux que tout à l'heure, ça vaut 1 sur 5. Il y a quelques vagues à attraper, il y a un peu de monde à l'eau, ça surfe un peu partout. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train d'houle qui va s'amplifier. La bouée Arcachon-Gascogne est à la hausse pour la mi-journée à 2,30 et 6 secondes. Stationnaire en soirée, la bouée est stationnaire à 1,70 et 7 secondes. Moins de taille, plus de période, kiff-kiff, bourriquette. Pour ce qui est du vent, il doit se renforcer au sud-sud-est à la mi-journée à confirmer, c'est pas serre-tête. Et à 17h, le vent est attendu passer onshore et se calmer. Ce qui nous donne en prévision à 13h 1m, 1m20, ouest à ouest, sud-ouest, 9 secondes de période, vent de sud-sud-est 3-4. Et à 17h, stationnaire 1m, 1m20, ouest à ouest, sud-ouest, 8 secondes de période, vent de sud-ouest 2-3. Il y a des conditions multipiques toute la journée. Tout ça va se valoir un peu. Bon, déjà, peut-être que ce matin, c'est le meilleur créneau là, maintenant. Avec le vent pas trop fort, des vagues multipiques à la hausse. Ce midi et cet après-midi, il y aura plus de taille. Cet après-midi, le vent onshore, des phases de vagues un peu plus protégées. C'est pas un ours. Hein. On va rester dans du multipique, pas calé, désordonné, instable. Prochain point, tout à table.